Bonsoir à tous, bienvenue au Théâtre de Paris, merci d'être là pour cette soirée exceptionnelle, la soirée des remises de prix FI 2013, soirée un peu particulière parce que ce soir c'est la 20e. Ça va ? Ce soir, on aura donc l'occasion de fêter une communication efficace, créative, mais aussi intelligente et positive. Nous verrons aussi que toutes les fonctionnalités du web et les combinaisons faites avec les grands médias dits traditionnels sont maîtrisées avec succès. Donc ce prix, évidemment, ne peut pas exister sans tous ses soutiens. Alors d'abord, la RPP, l'Autorité de Régulation de la Publicité, l'IREP, l'Institut de Recherche et d'Études Publicitaires, le SPQR, Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale, le SEPM, Syndicat des Éditeurs de Presse Magazine, le SNPTV, Syndicat National de la Publicité Télévisée, le SPQN, Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale, le SRI, Syndicat des Régies Internet, l'UDECAM, l'Union des Entreprises de Conseil et d'Achat Média, ainsi que Cinéma Scène Production, qui nous a fait toutes les vidéos cette année, Médiavision, Média Post Publicité, Stratégie et Yahoo. Cette année, nous avons reçu 88 dossiers, ce qui est un bon cru. Le jury d'experts en a retenu à peu près la moitié, 40 finalistes qui ont été soumis au jury des professionnels qui s'est réuni, lui, en septembre et qui a décerné les 12 EFI d'or et puis le Grand Prix. Justement, on va inviter Didier Truchot, le président du jury EFI et président d'Ipsos à monter sur scène. Il est avec Luc Bazier, auteur de « Oui, la com est efficace, 20 ans d'expérience EFI » et d'Olivier Mongeau, rédacteur en chef de Stratégie. Bonsoir messieurs. Et Luc, vous avez écrit un livre à l'occasion des 20 ans, un livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Oui, la communication est efficace ». Les EFI nous rappellent que le groupe est plus important que l'individu. En fait, quand on fait un like, c'est pour dire qu'on appartient à un groupe. Quand on fait du viral, c'est parce qu'on se dit que les gens auront telle impression de soi quand on le transmet. Quand on regarde toutes ces campagnes, c'est qu'il y a quand même effectivement des invariants. Il faut avoir beaucoup de talent. D'accord. Il faut avoir sûrement beaucoup de liberté. Pour être différent, il faut être libre. Donc il faut être capable de bien collaborer. Et c'est les 80 campagnes que l'on voit sont des campagnes dans lesquelles les différents intervenants, les différentes parties constituantes ont pu bien travailler ensemble. Les paramètres de l'efficacité sont mieux intégrés par les candidats. Alors je crois que les dossiers sont mieux faits. Les très bonnes campagnes sont toujours des campagnes évidemment qui créent à un moment donné un territoire d'expression différent pour la catégorie ou pour la marque. C'est évidemment c'est ce qui fait le multiplicateur du succès d'une campagne. Et j'invite Xavier Dordor, délégué général du SEPM, à monter sur scène pour vous annoncer le lauréat or. Bonsoir. Petite question d'abord, sur votre syndicat de la presse magazine, c'est une très grande famille en France. Bonsoir. Comment se porte-t-elle ? On est en pleine mutation de tout. S'il y a un point sur lequel aujourd'hui les marques magazines se défendent, c'est justement par ce caractère de marque qui permet aujourd'hui de transformer ce qui était hier juste une audience print en audience totalement digitale qui inclut la vidéo et tout le langage. Avec le lauréat bronze pour cette catégorie alimentation, c'est pour la campagne Carambar, The Countrywide Joke de Mondelez International, réalisé par l'agence Kids Love, Jetlag, Fred et Farid Group. L'argent à présent pour la campagne McBaguette de McDonald's France, réalisée par TBWA Paris. Xavier, je vous laisse annoncer l'or. Eh bien, dans cette catégorie, l'EFI d'or est remis à Nestlé, laboratoire Gigoz, pour sa campagne Gigoz Parlons Bébé. Voilà, l'agence est Publicis Conseil Marcel et Zénith Optimedia. Nous avions toujours un problème à résoudre qui était de regagner la préférence de marque face à notre concurrent Galien. Et le troisième point, c'était d'innover et surprendre en faisant la première campagne qui nécessitait un traducteur simultané. Alors, et fin 2012, Gigoz a regagné le leadership en lait infantile avec 29,9% de part de marché. Pour parler de cette renaissance marketing, j'appelle sur scène pour recevoir le prix
dans la catégorie alimentation. Jérôme François et Jennifer Labo de Gigos, Vanessa de Bros et Vincent Larnaudy de Publicis Conseil. C'est un pari cette campagne. Tout à fait. Mais ça a marché. Le rire, ça marche toujours quand on veut vendre. En effet, quand on a une idée, on veut la garder et l'amplifier, la renouveler. Donc c'est tout le défi qui est pour le moment en train d'être travaillé. À la catégorie boisson, et j'invite Virginie Marie, déléguée générale du SNPTV, à monter sur scène. Vous, la télé qui change beaucoup. Quelles sont les grandes innovations sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui? Tout ce qui est second, troisième écran, tout ce qui est interconnexion avec le téléspectateur, tout ce qui peut enrichir le contenu, qu'il soit le programme comme la publicité, et tout ce qui peut permettre d'améliorer, d'amplifier, de bonifier cette expérience télévisuelle qui est déjà superbe. Le bronze pour la campagne Miss Eau de Orangina Schweppes France, réalisée par l'agence Fred et Farid Paris. Voilà pour le bronze. L'argent pour la campagne Oasis Bifruit de Orangina Schweppes France, réalisée cette fois par l'agence Marcel. Virginie, je vous laisse annoncer le lauréat or. D'accord, donc dans cette catégorie boisson, l'effi or est remis à Danone Eau France pour sa campagne Badois, bulle de joie, réalisé par BETC, Elan, BETC Design et Havas Media. En 2012, la marque Badois, elle s'inscrit dans un contexte un petit peu particulier. Oh, c'est formidable, notre Badois, pour moi, elle a vécu quelque chose aujourd'hui qui vaut le Guinness des records. Et le troisième temps a été la campagne publicitaire. En termes de performance, le plus beau chiffre, c'est d'avoir dépassé enfin 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la période. Une grande marque d'eau, plus 15 points. Cette année, on a décidé de rééditer cet exploit-là. Ils sont dans les embouteillages, ils sont prisonniers du trafic. Je compte sur vous. Je demande à Guillaume Millet de Badois et Marielle Durandet, Christophe Prader, Christelle Fagot, Carole Pénillard de BETC de monter sur scène, s'il vous plaît. Voilà. Campagne longue, marché de l'eau gazeuse, vous avez dit dur, un marché qui est dur à bouger. Comment on sait à quel moment la campagne commence à fonctionner? Est-ce qu'on se base juste sur les chiffres, sur le ressenti? Comment ça se passe? Honnêtement, je pense qu'on ne s'est absolument pas du tout basé sur les chiffres une seule fois pour décider toutes ces actions-là. Et pourtant, ça a été, vous êtes là ce soir grâce à ces chiffres. Comme quoi, les chiffres arrivent après. Voilà. On ne serait jamais arrivé là où on en est si on n'avait pas eu des gens de talent, donc notamment BETC Design, BETC, Elan et Ubi Bene pour accompagner tout ça. Donc je pense que voilà, c'est un vrai hommage aux agences, à la créativité et au talent. Sur scène, Éric Jourdan, il est directeur général de Mediavision. Vous allez prendre l'enveloppe, bonsoir. Il y a des années plus ou moins bonnes, mais globalement, on peut le dire encore cette année, la belle histoire continue entre les Français et le cinéma. C'est vrai, puisque cette année, on va encore être à peu près à 200 millions d'entrées. Et on entend dire que ce sera probablement la dernière année, que c'est exceptionnel, que ça n'arrive pas tout le temps. Parce que le cinéma, avant d'être un média, c'est avant tout un loisir qui intéresse tous les publics, puisqu'aujourd'hui, au cinéma, on a aussi bien des enfants que des seniors. Alors, je vais annoncer le lauréat argent pour cette catégorie bien durable. C'est la campagne Conforama. C'est bon de changer de Conforama, réalisé cette campagne par l'agence Proximity. BBDO. Les filles d'or est remis à EDF pour sa campagne Heroes, réalisée par CLM BBDO et Havas Media. Voilà pour l'or, le making-of comme d'habitude en images et juste après les lauréats. Par ailleurs, il était vraiment important de faire vivre cette expérience des jeux à tous les spectateurs. On fait un test, c'est parti. Mettre en lumière les véritables héros des jeux, les athlètes. Alors, tout fonctionne. Deuxième test. Les athlètes sont la lumière des jeux. À tel point que cette campagne a été élue deuxième campagne préférée des Français en 2012. Et ces petites vestes bleues ont été particulièrement reconnues pendant les jeux et appréciées. Ouais, c'est absolument une victoire formidable. Alors, voilà, et j'appelle sur scène pour recevoir ce prix dans la catégorie bien durable. Catherine Lescure et Anne-Laure Ménial, Koumaros de EDF. Valérie Acari, Anthony Hamel de BBDO Paris. Je suis un peu déçu. Il n'y a pas de veste bleue, là. Non, on a changé de tenue, là, ce soir. D'accord. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas un peu de risque à s'accouder sur un événement sportif comme les Jeux Olympiques? Alors, c'est très populaire, c'est vrai, mais quand les résultats ne sont pas là, est-ce qu'on y pense à ça quand on lance une campagne comme la vôtre? Non, on a trouvé au contraire que d'utiliser les Jeux, c'était un formidable levier pour le groupe. Une campagne très humaine, très proche, alors que EDF, on le voit tout de suite comme un géant.
innovation et originalité. En tout cas, bravo pour ce prix ce soir. Catégorie automobile, pas de lauréat bronze, donc je vais vous annoncer le lauréat argent. Et il s'agit de la campagne Mercedes Étoile de Mercedes-Benz réalisée par l'agence Proximity BBDO. Ce qui nous amène à la catégorie distribution et j'invite Bertrand Baudichon, président de l'UDECAM, à monter sur scène pour nous annoncer le lauréat or. Bonsoir. Merci d'être là. Donc j'imagine qu'avec le nombre d'évolutions dans les différents médias en ce moment, la période pour vous, c'est passionnant. Il n'y a pas de tension. Il y a des gens qui arrivent à avoir une année calme. Oui, c'est assez calme. On a des budgets qui montent bien. D'ailleurs, le Presse Magazine, j'ai été assez étonné des commentaires tout à l'heure. Non, c'est une année effectivement assez compliquée. Évidemment, absolument passionnante parce que tout est en train de se réinventer. Et Didier l'a dit tout à l'heure, sans une bonne collaboration, effectivement, entre un annonceur, une agence de pub et une agence média, chacun dans son rôle, et chacun respecté dans son rôle, ces cas-là et ces résultats-là, eh ben, ils n'arrivent pas. Le bronze, donc, dans cette catégorie distribution, vous allez le découvrir, un prix bronze pour la campagne Auchan Top Chef, réalisée par Havas Cross Media et Havas Media France. Alors, les filles auraient remis à Système U pour sa campagne Transparence, réalisée par TB, Paris et MyMedia. L'ensemble des enseignes de distribution proclament toutes qu'elles sont les moins chères pour répondre mieux aux attentes des consommateurs. Système U va rechallenger sa stratégie. Pour le coup, c'était vraiment de montrer le prix de vente, mais évidemment, ça, tout le monde le fait, mais aussi le prix d'achat. Ça, c'était quelque chose de nouveau, jamais fait dans la distribution. Ce qui fait 63 centimes pour les éleveurs de l'association Les Porcs Bio de France. C'est ça, un prix bas qui n'a rien à cacher. La campagne a été particulièrement performante. Depuis le début de l'année, on a une augmentation de part de marché d'environ plus 0,5. En termes d'image, les résultats sont aussi très bons, puisque les post-tests sont sur les items majeurs, toujours au-dessus des standards. Recevoir ce prix dans la catégorie distribution, Sandrine Burga, Guillaume Dumarché de Système U, Guillaume Panot, s'il vous plaît, Luc Bourgerie et Philippe Senejou de l'agence TBW à Paris, ainsi que Séverine Six de l'agence MyMedia. Vendre la transparence dans une campagne de publicité, vendre l'explication aux consommateurs. Et pour nous, c'était un enjeu. C'est l'enjeu de faire du commerce autrement. C'est ce qu'on veut. Maintenant, on pense que nos clients sont en train de changer. On pense que notre environnement change. On pense que tout le monde ne change pas à la même vitesse. Donc, c'était pour nous l'occasion de raconter une histoire, qui est très proche de ce que nous sommes. C'est vrai qu'on est dans un univers très concurrentiel, où globalement, la convention est devenue le comparateur. Aller voir un client et lui dire en fait on va effectivement révéler ce qui n'a jamais été révélé. Je crois que c'est le succès de ce prix avec en plus, j'en profite puisque j'ai le micro, je vais le tenir longtemps, celui de la fidélité, c'était le grand prix l'année dernière pour une autre forme de campagne. Et j'invite Jacques Ardouin, président de la commission du SPQR, à monter sur scène pour nous annoncer le lauréat. L'importance des prix EFI pour la PQR. La PQR est un des supports les plus efficaces, hein, avec ses un peu plus de 18 millions de lecteurs tous les matins, c'est presque autant 17 millions d'internautes, donc je pense que c'est naturel, efficacité, proximité de la PQR. Alors l'EFI d'or est remis à Domios du groupe Oxylan pour sa campagne Feel Beautiful, réalisée par Kids Love Jetlag de Fred & Fred Group. La majorité des femmes ne portent toujours pas de soutien-gorge de sport pendant la pratique sportive. Donc l'idée, c'était de mettre une gymnaste en condition sur un trampoline. C'est la manière la plus ultime de faire la démonstration du maintien, du soutien et des qualités techniques du produit de Mose. L'originalité du dispositif vient du fait qu'on a cherché à d'abord privilégier l'expérience en mettant l'expérience digitale en amont de la campagne plus classique, télévision, print et PLV. Bonsoir. Il y a deux choses qui ressortent dans le petit film qu'on a vu, c'est continuité et innovation sur votre produit. C'est ça qui a fait la réussite de cette campagne. Qu'est-ce qui était le plus important ? Donc, vous voulez prendre la parole avec un produit innovant, donc c'était un grand, grand défi. Et notre plus grande fierté, parce que pour tout vous avouer, on a hésité, avec une catégorie de soutien-gorge qui était quand même un peu plus segmentant. Catégorie hygiène, beauté, santé. François Daubert, président de la RTP. Bonsoir. Le respect dans la publicité, est-ce que ça marche aussi avec une campagne ultra efficace ou est-ce Je crois que les deux sont liés, efficacité et créativité. D'abord, il faut croire à l'efficacité de la publicité. Et
autour de nous, et à l'ARP en particulier, il n'y a que des gens qui sont convaincus, les professionnels, de l'efficacité de la publicité. À ceci près qu'il faut le faire savoir à l'extérieur un petit peu plus. Et moi, c'est ça qui me navre le plus. J'adore la publicité. Mais je pense qu'elle ne se vend pas assez elle-même sur le thème de l'efficacité. Le rôle de l'ARP, qui donne des conseils très, très avisés. Le lauréat argent, vous allez le découvrir avec moi, c'est la campagne Olia de Garnier, campagne réalisée par Publicis Conseil et Zénith Optimédia. Alors, l'EFI aurait remis à Délie Papier ce fidèle pour sa campagne Le Trèfle Maxifeuille, Emma, réalisée par Léo Bernet et Viséum. Voilà, la campagne. Eh bien, on va défendre le papier. Il y a un débat général dans le monde entier, dans toutes les catégories d'âge, sur la disparition du papier. Emma, Emma. Ils ont seulement 10 jours, 1 million de likes sur Facebook, 25 millions de vues sur YouTube. Un référencement qui s'est vraiment accéléré à partir des premières diffusions sur Internet. En termes de part de marché valeur, rien que sur le mois d'avril, la marque Le Trèfle a doublé son poids. Des tas d'anecdotes de grand-mère faisant passer aux jeunes le film. Le papier a un grand avenir. Nouveau Le Trèfle Maxify. C'est Matteo Antonielli et Christophe Brossus de Sofidel et Jean-Paul Brunier et Xavier Beauregard de Léo Burnett. Je vous demande de nous rejoindre sur scène. Ça vous a surpris, là, je regardais les chiffres avec vous dans le petit film, 1 million de likes sur Facebook, 25 millions de vues sur YouTube. Quand on voit ça en 10 jours, je crois. Et on a fait un phénomène. Moi, j'ai compté, je crois qu'Emma, on est à peu près à son troisième tour du monde, finalement. Notre credo chez Léo Burnett, c'est la créativité et le pouvoir de changer le comportement humain. J'invite Brigitte Cantaloupe de Yahoo à monter sur scène pour nous annoncer le lauréat d'or. Bien au milieu, c'est parfait, voilà. Pourquoi c'est important, EFI, pour vous ? EFI, c'est important pour nous depuis très longtemps parce que l'efficacité est évidemment au cœur des régies digitales, bien sûr, du média digital. Et on annonce demain les résultats d'une campagne, d'un produit qu'on a lancé qui s'appelle Consumer Connect et qui prouve pour les annonceurs de grande consommation l'efficacité du digital, du display dans les ventes en grande surface. Argent, le bronze d'abord dans cette catégorie service pour la campagne L'Homme-Objet de adoptamec.com. Voici pour le lauréat bronze réalisé par MyMedia. Le prix EFI argent pour la campagne carte commerciale SNCF réalisée par l'agence TBWA Paris. Ravi de remettre l'EFI d'or à AXA pour sa campagne « N'attendez pas qu'il soit trop tard » réalisée par Publicis Conseil et Avas Media. Le jour où j'ai un petit accrochage avec ma voiture, j'ai droit à quel service avec mon assurance auto ? C'est pourquoi AXA a décidé d'agir pour porter l'ambition de devenir la première société de services d'assurance en France à horizon 2015. Et ça, on y a cru ensemble, on l'a fait ensemble et on continue à le faire au jour le jour entre AXA et Publicis. Et Catherine Buquefort d'AXA France, Sylvie Rouillet et Anouar de Publicis Conseil. Bravo, félicitations, je vous serre la main quand même. Merci, bonsoir. Merci. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on vend de la prévision d'ennui potentiel ? Qu'est-ce qui est le plus efficace, en tout cas, dans la communication ? Chez AXA, on a une ambition de devenir numéro un sur le service. Et la qualité de service drive toute la stratégie au niveau de l'entreprise. Une assurance, avant de l'acheter, il faut penser à autre chose que son prix, en faire la démonstration. Vous avez osé l'idée, ça a marché. Bravo à toutes les trois et catégories communication publique et d'intérêt général. Hélène Chartier du SRI. Est-ce qu'elle peut me rejoindre sur scène ? La voici. Venez près de moi, syndicat des régies Internet. Alors Internet sous les feux de la rampe, comme d'habitude, on sait qu'on peut communiquer, on sait que c'est efficace, mais comment on est sûr de l'efficacité d'Internet dans la communication ? Comment on est sûr que le message passe ? Parce que tout le monde peut cliquer 20 fois sur un site et dire « j'aime », mais ça ne veut pas dire qu'il y a 20 personnes qui sont passées sur le site. Alors, il y a des multiples façons de mesurer l'efficacité sur Internet, comme il y a des multiples façons de communiquer sur Internet. Et le média est tellement riche, tellement puissant, qu'il répond à énormément d'objectifs, et en fonction de ces objectifs, on mesure l'efficacité. Catégorie communication publique et d'intérêt général, pour la campagne Water et Inc. de solidarité internationale réalisée par l'agence BDDP EFIS. L'argent pour la campagne La Fabrique à Menu de mangerbouger.fr de l'INPES, réalisée par l'agence New BBDO et
Cara. Alors, les filles d'or est remis à l'INPES pour sa campagne Puceau, réalisée par McCann Paris et Cara. Les jeunes parlent entre eux, éventuellement au collège entre eux, et un peu avec leur entourage, et énormément sur Internet. Ça reprend des codes, qui sont les codes des web-séries et des séries à la télévision, qui donnent rendez-vous. Ce qu'on peut retenir également comme facteur fondamental de succès, c'est que quand on parle aux jeunes avec un langage qui est le leur, en essayant d'être le plus proche de ce qu'ils sont et de leurs habitudes de consommation, eh ben ça marche. Réfléchis pas, zéro, la bulle, personne. Claire, c'est la première. Saisis-la ta chance. À part, tu veux rester puceau toute ta vie. Annick Gardy, Julie Mathéa-Fouès de l'INPES, Philippe Lunchener, Pierre Riss et Aurélie Nizan de McCann Paris. Qu'est-ce qui est le plus difficile la première fois qu'on lance une campagne comme d'avoir ça? D'avoir de l'audace. Parce que parler de sexualité aux jeunes aujourd'hui sur le web, quand on est pouvoir public, c'est quand même un joli défi. Ça veut peut-être dire que... Ça reste toujours un peu tabou hein, comme sujet. Non, mais ça veut peut-être dire que la cible à laquelle cette communication est destinée a peut-être envie d'avoir un autre type de discours et peut-être prête à recevoir un autre type de contenu. Il y a une demande et une appétence pour des contenus intelligents, pour des contenus sophistiqués, tout en ayant de l'humour et en parlant d'une manière un peu ethnologique. J'invite Elisabeth Siadella, représentante de la SPQN. Bonsoir, la presse quotidienne nationale. Alors vous, votre défi, c'est l'intégration d'Internet. C'est votre challenge. Jusqu'où ? La presse quotidienne nationale n'a jamais, en effet, rencontré autant d'audience qu'au travers de ses titres papier et du déploiement de ses plateformes digitales sur les smartphones, sur... les tablettes sur les réseaux sociaux. Et les lauréats, bronze et argent. Bronze pour la campagne, tout d'abord, Euro 2012 de PMU, une campagne réalisée par l'agence Publicis Conseil et Zenith Optimedia. L'argent à présent pour la campagne Happy Sleep de Ibis Group Accor, réalisée par BETC Havas Media. Alors, j'annonce les filles d'or dans la catégorie culture et loisirs et il est remis à Thalys International pour sa campagne Temps Utile réalisée par Rose Park et Havas Media. Début 2012, on avait un sujet, c'était de faire connaître Thalys au-delà de Bruxelles. Découper ce temps de parcours et d'en faire des histoires sympathiques, ludiques, déclinables à l'infini en fonction et des cibles et des destinations et des services. La campagne a été un succès d'un point de vue commercial vers l'Allemagne, plus 11%. Et de la même façon vers les Pays-Bas. Et près de 92% déclarent être incités à choisir Thalys. Et en même temps, on est en train de réaliser cette interview. C'est la démonstration qu'on ne perd aucun temps. On a eu un super petit déjeuner, on a pu travailler et on va arriver en forme pour nos prochaines réunions à Bruxelles. Recevoir ce prix dans la catégorie culture et loisirs, Jérémy Zegerman et Laetitia Deville de Thalys, Jean-Patrick Chicard et Delphine Brutel de Rosa Parks. La nécessité de tenir compte des spécificités des voyageurs, qu'ils soient français, qu'ils vivent en Belgique ou aux Pays-Bas ou en Allemagne, et c'est naturellement pas les mêmes personnes, pas les mêmes attentes. Et donc la campagne, on l'a déclinée et on l'a adaptée grâce au talent de l'agence, que je remercie pour cette campagne. Puis essayer d'imaginer, entre guillemets, toutes les histoires que ces gens-là pouvaient vivre. Catégorie petit budget, opération spéciale, et j'invite Eric Trousset de Mediapost Publicité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le home media et est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche? Donc on a créé cette dénomination home media qui permet d'aller toucher les individus au foyer. Là encore, c'est un foyer au sens large. C'est dans la poche avec le smartphone, c'est sur son appli, sur son PC ou dans sa boîte aux lettres. Il s'agit pour ce lauréat argent, petit budget de la campagne TGV Lyon-Bruxelles. On reste dans le train de SNCF. C'est une campagne qui a été réalisée par TBWA Paris. Donc dans la catégorie petit budget opération spéciale, les filles d'or est remis à Mondelez International pour sa campagne Carambar, The Countrywide Joke, réalisée par Kids Love Jetlag, Fred et Farid Media. Ce qui faisait la spécificité de Carambar, c'était les blagues qui étaient à l'intérieur. Comment dit-on des habitants en japonais? La stratégie que l'agence a recommandée, c'était de faire parler de blagues et d'en faire une grande à tous les Français. Cette opération, on savait qu'elle était risquée. Et quand on a vu les résultats et la vitesse à laquelle le buzz a pris... Il n'y aura bientôt plus de blagues sur les papiers de Caramba. Alors j'en ai une pour toi, Magali. Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? C'est caïman la même chose. Vous allez recevoir le prix dans la catégorie petit budget opération spéciale, Magali Miro de Carambar, Mondelez. Bonsoir. Bonsoir et bravo. C'est un modèle qui est applicable à d'autres campagnes ou c'est vraiment typiquement Carambar parce qu'il y a cette petite blague
Non, c'est typiquement Carambar et c'est bien pour ça qu'on l'a fait, parce qu'on savait qu'il n'y avait que cette marque qui pouvait faire une blague aussi énorme. Et c'est vraiment un one-shot, donc on a la pression pour faire encore mieux l'année prochaine. On n'a pas investi en médias payants, donc l'enseignement est extrêmement intéressant puisque c'est vraiment un cas de stratégie média et de stratégie créative en temps réel. Effectivement, on est très très fiers de cette opération à l'agence parce qu'elle a mixé un certain nombre de compétences, des créatifs, des stratèges médias, des community managers. Et puis surtout, on remercie énormément la marque parce qu'elle était probablement plus difficile à acheter qu'à trouver. J'invite Zisla Belia, présidente de l'IREP, à monter sur scène pour nous annoncer le lauréat or. Voilà, une question générale pour vous, puisque l'IREP, c'est l'Institut de recherche et d'études dans la publicité. Qu'est-ce qui marche en ce moment en termes de tendance? Alors, j'aime bien votre question qui n'était pas du tout prévue, mais si je l'aime bien, c'est parce que à l'IREP, on se préoccupe bien sûr de très près du marché publicitaire. Nous publions vendredi les chiffres des recettes des médias en net pour le troisième trimestre. Et si on se préoccupe tant des médias et de la publicité, c'est aussi parce que le séminaire efficacité nous le permet. Alors, dans la catégorie annonceur PME-PMI, l'EFI d'or est remis à BMR Slenderton pour sa campagne « Réveillez vos muscles » réalisée par l'année initiative Media Brand. L'électrostimulation est une catégorie niche. Nous avions d'un côté une étude très sérieuse qui prouvait l'efficacité des produits Slenderton. On a compris qu'il fallait avoir une position de leader pour imposer un nouveau code de marché, pour toucher un public à la fois beaucoup plus large, mais aussi beaucoup plus exigeant. Vraiment, le succès de la campagne sont à la fois un plus 104% sur le chiffre d'affaires du premier semestre 2012, mais surtout un plus 249% sur nos ventes online durant la campagne. J'invite Maud Balayer et Jérôme Dejoie de Slenderton France, Christophe Lannes et Pablo Torre Blanca de l'agence Lannes et Stéphane Baudier d'Initiative Media Brands à monter sur scène. Le plus difficile dans un produit qui n'est pas forcément un produit de grande consommation, un produit que tout le monde connaît, un produit qu'il faut réintroduire, comme on l'a vu tout à l'heure avec Carambar ou avec la Badoit, par exemple, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, on a commencé il y a 6 ans avec Christophe pour remonter l'image, le positionnement, comme il expliquait. Et donc, on a commencé par de la presse, puis de l'affichage. On est sorti du métro, de l'outdoor. Et en fait, la télé, c'est l'aboutissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les médias évoluent beaucoup. Ils sont aussi multi-écrans, etc. Et que la télévision, ça reste un média de puissance, mais qui se travaille aussi sur Internet. Les ventes sur Internet directement de Slenderton le prouve. Pour ce Grand Prix, j'invite Vincent Leclabar, président de la ACC, Loïc Armand, président de l'UDA, à monter sur scène pour nous annoncer donc le lauréat de ce Grand Prix 2013. Vincent, 20 ans de publicité, 20 ans de prix EFI, qu'est-ce qui a changé? Tout a changé et rien n'a changé. Tout a changé, la technique, la relation à la marque, la culture publicitaire des consommateurs. Rien n'a changé, cette envie de réussir avec nos clients, la volonté de faire du consommateur un allié à travers la créativité. Le prix EFI, c'est un rêve d'annonceur. Et en fait, c'est un rêve collaboratif, on l'a dit tout à l'heure. Rien n'a changé, c'est le talent. J'ai entendu tout à l'heure aussi la liberté d'exercer ce talent, associée à la prise de risque de la part de l'annonceur, et la collaboration entre les annonceurs, leurs agences et les médias. Tout a changé, rien n'a changé. Je vous demande maintenant de nous annoncer donc le lauréat pour la 20e fois. Ah, formidable. Le Grand Prix EFI 2013 est attribué à l'INPES pour sa campagne Puceau, réalisée par McCann Paris et Cara. Allez, on veut tous les voir sur scène. On va être juste tous les deux. Sans les copains pour une fois. On peut les applaudir bien fort parce que c'est quand même la campagne de l'année, campagne qui est primée en plus pour cette 20e édition des prix EFI. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est pas que de la créativité, c'est du travail au quotidien, de l'efficacité, et que pour tout ça, je me permets de remercier l'ensemble de la profession qui a beaucoup œuvré pour l'INPES. Quand on est arrivé et quand on vous a présenté le pitch pour la première fois, et de la confiance que vous nous avez accordée. Voilà, parce que nous, on y croyait. Dès le départ, on était convaincus que c'était ce qu'il fallait faire, qu'il fallait chercher les adolescents là où ils étaient pour leur parler. Eux aussi ont été convaincants. Thomas Youssef, bravo. C'est une campagne qui a... Merci. Vous les avez vus sur grand écran. C'est une campagne
qui a touché sa cible. Beau succès quand même. Oui. C'est un super prix. Enfin voilà, 4 millions de vues, 50 000 fans. Enfin nous, personnellement, on pensait la toucher un peu plus, la cible, quoi. Si vous voyez ce qu'on veut dire. Ouais. Ouais, c'est marrant quand même qu'avec, que vous n'ayez pas eu autant de retombées avec un taux de pénétration de 98%. Ouais, enfin... En plus, visiblement... C'est des fans d'expérience. Voilà. Donc, voilà. Voilà, peut-être que ce soir, ils vont finalement la toucher, leur cible. Alors moi, c'est 06, 69, 69, 69, 69 encore. C'est des 69. Cérémonie des prix FI. Très bonne soirée. Alors, il y a un protocole juste derrière, oui. Protocole juste derrière, n'hésitez pas. Pardon.